C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a su faire beaucoup de choses avec pas grand-chose, qui a évolué suivant son temps, avec ses moyens. Et en plus, la distance de Koumac à la ville, l'éloignement et puis les événements, beaucoup de choses. Quelqu'un de très intéressant, qui est parti de rien et puis qu'aujourd'hui, qui a fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de respect pour lui. Mon grand-père était normand du côté de ma mère. Et mon père était alsacien. J'ai une sœur qui s'est mariée avec un Américain avant la guerre. Un ingénieur de la Panair qui est venu installer la base ici en Nouvelle-Calédonie. Et après, ma sœur, la guerre s'est déclarée avec les Japonais, ma sœur, elle est repartie en Amérique. Et puis j'ai des frères qui sont partis aussi là-bas. Alors ça fait que là-bas, j'ai beaucoup de familles en Amérique aussi. Claude, le papa de Bernard Berger, là, qui est à Nouméa, Claude, qui est Christian Berger, qui est aussi un Nouméa. Moi, je crois que je suis un des seuls qui était dans le Nord, qui est resté dans le Nord. Lorsque Lucien a 3 ans, la famille part en métropole, à Toulon. Mais ils reviennent au pays au bout de 3 ans et s'installent à Nouméa, dans la vallée des colons. En 1940, le père de Lucien décède. Il n'a que 12 ans. À 19 ans, Lucien repart en France pour suivre une formation d'ébénisterie. Il y fait également son service militaire, au cours duquel il est envoyé en Allemagne. J'ai fait mon service militaire en Allemagne, en occupation, dans le 3e génie. Et là-bas, on a fait sauter les blocos de la ligne Siegfried. Ça fait loin tout ça. De retour en Nouvelle-Calédonie après 3 ans, il rejoint sa famille qui a entre-temps déménagé sur Koumac pour le travail d'infirmière de sa mère. Une nouvelle vie débute pour Lucien Berger. Il commence par construire des maisons en bois à la mine Chagrin pour Henri Lafleur. Puis il ouvre un atelier d'ébénisterie à Koumac, situé là où se trouve aujourd'hui la BNP. Il y a la BNP, c'était sa menuiserie, c'est un gourbier en tôle, mais sa menuiserie. Moi j'ai des armoires chez moi, un lit. C'est lui qui les avait fait. Et il travaillait bien, c'était beau, c'était un beau travail qu'il faisait. J'ai monté un atelier de menuiserie, j'ai fait énormément de meubles, vendu des tables, des chaises. À l'époque, il y avait des caisses à pétrole, tout ça, ils faisaient des meubles avec ça. Alors moi, j'ai fait des armoires, des chaises, des tables, tout ça, et ça a commencé comme ça. Toutes les 15 jours, j'allais livrer des meubles à Tubagui. Avec le directeur, à l'époque, il m'envoyait un camion qui était conduit par un camion de la société. Et on remplissait ça de meubles et on portait ça à Tubagui. Je fournissais les meubles à Tubagui. Au bout de quelques années, l'inhalation quotidienne de sueur de bois a raison de la santé de Lucien Berger, qui doit cesser son activité. Il récupère doucement la santé à la ferme de ses beaux-parents, à Calagomen, avec sa femme Berthe, à Paganou, avec laquelle il s'est marié en 1952 et a eu 3 enfants. Ma femme, je l'ai rencontrée à l'époque, quand je travaillais à Chagrin, au travail de la mine. Il y avait des balles chez Courteau, en bas. Alors, je l'ai rencontrée un soir de Noël, un bal tué. C'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et on s'est fréquenté, on s'est marié comme ça. Elle travaillait à Gomen. On a une propriété là-bas avec une jolie ferme, avec du bétail, des poules, des canards, enfin une belle ferme. Donc on s'est marié et on a racheté la propriété à mes beaux-parents, et là, j'ai modernisé la propriété, quoi.
J'ai un garçon qui s'occupe de la propriété à Gomène et les deux autres sont à Nouméa. Et à Nouméa, il y en a qui est prof au collège Pedro Atiti. Et puis, notre fille qui est à Nouméa, qui travaille aussi à Port-Son-Compte. Une famille travailleur, alors on n'a pas peur du travail. Après s'être rétabli de ses problèmes de santé, Lucien Berger se lance vers la fin des années 60 dans la construction et réalise des maisons en bois à Théoudier, à Tinip, à côté de Waco, pour le compte d'Edouard Pentecoste. À la demande du maire de Calagomène, il construit une école à la tribu de Païta. Puis d'autres écoles suivent, à Vaux, à Waco, à Koumac. Sur la côte est, il construira un barrage pour la commune de Point-d'Imier, puis des ponts à Yengen, à la demande de Jean-Marie Djibaou, alors maire de la commune. Dans sa propre commune, la signature de Lucien Berger est un peu partout. On lui doit notamment le bâtiment commercial chez Nino, construit en 2004. Sa plus belle création reste le complexe qui porte maintenant son nom, l'immeuble Berger à Koumac. Nul doute, Lucien est un bâtisseur dans l'âme. Dans les années 50, Thiébagui a fermé, Chagrin a fermé. Et comme moi, j'ai commencé une maison ici, et les lots étaient gratuits à l'époque. Alors les gens ont demandé un lot, ils ont commencé à bâtir ici, puis c'est comme ça que ça a démarré. Et puis il y avait une sécurité, c'est qu'il y avait l'hôpital de Koumac, un dispensaire à l'époque, et l'internat. Alors c'est ce qui a développé Koumac, les gens avaient des enfants, ils voulaient les mettre à l'école, alors c'est comme ça qu'ils sont installés à Koumac. Et voilà, alors je construisais, au fur et à mesure que je construisais, on me demandait, j'ai agrandi quoi. Chez Lino là-haut, c'est pareil. Lino, j'ai construit. Je voulais construire des villas. Lino est arrivé, il me dit non, fais-moi un grand complexe. Voilà, c'est tout a été fait comme ça. C'est les gens qui ont eu besoin qui m'ont demandé. Je suis un gars qui aime bien construire. Quand on s'est marié, on faisait moins 14 heures de travail par jour pendant des années. Puis après, bon, il a laissé petit à petit, ça, il a pris des employés. Et puis après, les gens étaient plus qualifiés. Et ils avaient fait des études que lui n'avait pas fait. Alors lui, il a pu gérer quand même. Mais les personnes ont travaillé, c'était très bien. Après, vous êtes parti vivre à Koumac avec papa alors. Ben, je me suis mariée en 1952 et je suis partie vivre à Koumac pendant 5 ans. Là, tu avais travaillé donc à la menuiserie là. Ah là, j'ai travaillé à la menuiserie et dans le bâtiment aussi. On a construit notre maison où il y a... Ouais, principalement dans la menuiserie où tu faisais les meubles. Oui, oui. Hein? Pendant 4 ans, j'ai travaillé dedans. Et votre première maison, c'était là-bas? Oui. À Koumac? Elle est à Koumac. Elle y est toujours d'ailleurs. Elle est toujours d'ailleurs, oui. Aujourd'hui âgé de 87 ans, Lucien Berger occupe son temps en se cultivant par la lecture et en continuant à rêver de projets de construction, réalistes ou utopiques. Il ne fait pas la différence. C'est d'ailleurs cela qui lui donne la force de vivre.